Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau véhicule, un hyper VT pour un nouveau petit projet. Donc voilà. Un hyper VT, je pense que tout le monde connaît. Je vais pas faire une longue vidéo là-dessus, ni un unboxing spécial. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu l'Obao hyper VT, donc là, qu'est-ce que nous avons? Des pneus SP Racing, donc les R3, donc c'est des gommes assez soft avec des petites jantes sympas, des pneus à profil avec de belles petites rainures. Alors après j'ai les pneus GRP déjà, je vais voir lesquels j'utilise. Les GRP, je sais qu'ils sont très très bien. Donc voici la voiture. Donc une carrosserie. Donc ça va être... Alors, en vrai, elle est mieux que qu'en photo. Alors là, je vais lui mettre une petite couleur orange comme ça, une petite... Enfin, c'est même pas du orange, c'est du rouge fluorescent, ils appellent ça. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à du orange, mais bon, voilà. Raide fluorescent. Donc la voiture, je vais vous la déballer tout de suite. La voici, la voilà. Donc en fait, c'est comme l'Obao VSE Pro, sauf que le châssis change. C'est un châssis plat, il n'y a pas de kick-up devant. Les triangles avant-arrière, c'est exactement les mêmes. Moi, je vais lui mettre les petits renforts en carbone que j'ai sur le VSE Pro pour rigidifier un peu les triangles. Sur ma piste, j'ai pas besoin du tout des renforts carbone. Donc voilà. Ce que je trouve magnifique, ça va être la platine supérieure en alu là. Elle est juste magnifique. Moi, je la trouve parfaitement belle. Bon, dessus, il n'y a pas cale de train en alu à l'arrière. Mais bon, sur une piste, ça sert à rien. Je vais peut-être voir si je la passe en alu, mais je pense pas. Après, vous avez les petits amortisseurs à l'arrière, comme à l'avant, petit ressort. Alors, je vais changer l'huile parce que ça me paraît souple. Donc, je vais mettre de la 2000 devant, de la 1000 derrière. En diff central, je pense que je vais mettre de la 300 000. De la 150 000 devant et de la 20 000 derrière. Que ça fasse des petits drifts, que ça soit sympa à conduire. Vous voyez aussi les plots de carreaux, ils sont, alors en vidéo ça rend pas bien, mais ils sont juste épais. Donc voilà, bah, il y a l'école à côté qui sonne. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour la présentation du véhicule terminé. Allez, à plus.